bien salut les amis, c'est Carendo, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Super Mario Maker 2 sur le mode online. On va faire justement le truc des Mario Infini là. Alors juste avant qu'on y aille, déjà n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus et en plus je voulais vous montrer cette page. Genre j'imagine que tout a bien bougé depuis, genre je dois plus avoir les mêmes points etc. Il faut savoir qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est le 29 juin. Le jeu n'est sorti que depuis un jour. Mais je sais qu'elle sort beaucoup plus tard parce qu'en fait genre je suis obligé de tourner beaucoup de vidéos à l'avance parce que je suis en France en ce moment normalement, donc je peux pas faire de vidéo en France. Donc bref, je voulais vous montrer mon identifiant de créateur, genre ici vous avez 0QF08YKGF. Si vous voulez me suivre pour voir les niveaux que j'ai fait, bah entrez cet ID et abonnez-vous à moi. Vous êtes bien entendu absolument pas obligé de le faire, mais si vous avez envie de jouer à mes niveaux, voilà, vous pouvez faire ce... vous pouvez le faire. Et je voulais aussi vous montrer mon premier niveau que j'ai publié. J'en suis plutôt fier, en fait c'est le tout premier que j'ai fait. Moi le jeu je l'avais eu un peu avant sa sortie, donc j'avais commencé à faire le niveau. Et il est assez court, mais je le trouve quand même assez sympa. Je l'ai trouvé pas si dur que ça, en plus il y a 20% de taux de réussite, ce qui est quand même assez bien je trouve, parce que par rapport à Super Mario Maker 1, genre mes niveaux ils ont quoi, 2-7% de taux de réussite, donc 20% ça change quand même beaucoup. Donc bref, si vous voulez l'ID du stage, le voilà, 951 TMH50G. Donc n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à le liker, mettre un petit commentaire, voilà. Dans tous les cas les amis, n'oubliez pas vous non plus aussi de mettre dans les commentaires de cette vidéo vos stages sur Super Mario Maker 2. J'espère que vous êtes très inspirés. Moi je suis en train de travailler sur d'autres petits stages vite fait. J'essaye de faire un bon stage sur Super Mario 3D World, mais j'ai du mal. Super Mario 3D World, je trouve qu'au final le thème il est peut-être pas si bien que ça. En fait il fait vide, il fait rapidement vide. Mais c'est peut-être juste que pour l'instant j'ai pas encore trouvé de bonnes idées à faire. Enfin dans tous les cas, peut-être qu'au moment où cette vidéo sort, d'ailleurs probablement quand cette vidéo sort, il y en a, j'en ai fait d'autres niveaux auxquels vous pouvez jouer, mais là au moment où je la tourne, il n'y a que ce niveau qui est sorti. Bref, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est les défis infinis. Alors, pour commencer dans cette première vidéo, on va faire les défis infinis en mode facile. J'imagine qu'en mode facile, ça va vraiment pas être très difficile. Ça se trouve, je parle beaucoup trop vite et genre je vais mourir au troisième niveau, hein, on n'en sait rien, mais... je pense que ce sera assez simple. Faut savoir que ça va être une vidéo comme d'habitude qui va faire genre 25-30 minutes. Donc tout ce que je vais faire c'est si au bout des 25-30 minutes je suis pas mort, moi bah, j'arrêterai, hein, je mourrai. Et on va plutôt faire en fait en défi facile, plutôt genre un défi rapidité quoi, genre en 25 minutes, combien de niveaux je vais réussir à faire plutôt que genre combien je vais faire sans perdre mes 5 vies, parce que à mon avis je vais pas les perdre mes 5 vies, mais on ne sait jamais, on sait jamais. Dans tous les cas les amis, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus et c'est parti! Est-ce qu'on est obligé d'être avec Mario? Parce que j'ai changé de perso, normalement je devrais plus avoir Mario. J'ai pris Toadette. Ouais, jouer. Dans l'éditeur j'ai mis Toadette, hein, donc j'aimerais bien jouer avec Toadette, elle est trop mimi. Oui, elle est trop mimi. Classique, court, mais bon. Voyons voir. Est-ce qu'il y a besoin de faire un commentaire sur ce genre de niveau? Bah, j'avoue que là pour le coup il est facile. Enfin, on peut mourir quand même, mais il est quand même facile. Bah moi je suis désolé, mais non. Je ne mets pas un coup là, un niveau comme ça, il n'y a rien sur ce niveau. Enfin la plupart du temps je préfère m'abstenir. Quand un niveau je l'ai trouvé moyen, je préfère m'abstenir que mettre un bof. Mais là, enfin franchement, ça prend de la place sur des serveurs pour rien ce niveau. Koopa transport minigame. Voyons voir. Il y a un truc en haut, non? Ok, non. Parce qu'un petit power-up, ce serait quand même un petit peu cool, non? Pour commencer. Oula! Quoi? Mais... ah, j'ai compris! Ok, j'ai compris. En fait, faut amener les Koopas vers... oh, faut pas aller trop vite. C'est bon? C'est bon, j'ai amené le Koopa où il faut. Ah, c'est stylé! Ah, mais non? Quoi? Pourquoi? Ah, parce qu'il faut en emmener plusieurs. Ah, d'accord. Non, c'est stylé, c'est stylé. Après, je sais pas s'il est si facile que ça, mais c'est cool quand même comme idée. Ok, allez, allez, vas-y. Ouais, et... parfait. Donc, il va en falloir un autre, j'imagine. Non, 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 faut pas aller trop vite. Allez, on revient. Vas-y, vas-y, vas-y. Yes, c'est bon. Normalement, c'est bon. On va sur le bloc P. Et...
Parfait. Mais d'ailleurs, tu peux perdre le niveau, hein, genre si tu restes là. Bah, ah, d'accord, ok. Je crois qu'il allait avoir d'autres salles. Mais ouais, genre, tu peux perdre, en fait, si tu te retrouves... si t'attends que le bloc pays disparaisse. Mais bon, enfin, que la porte pays disparaisse, mais bon, faut être un peu stupide. Bref, et bah... Oh, c'est cool, quand même, le niveau est court. Mais c'est cool, j'aime bien l'idée de gameplay qu'il y a derrière. Dans tous les cas, les amis, n'hésitez pas à dire dans les commentaires de cette vidéo votre score sur le mode Mario Infini. Facile, hein. Et dans la prochaine vidéo, je ferai normal, après expert. Et on tentera même super expert, mais... Super expert... On va pas faire grand chose, hein. Je suis pas sûr que. Genre, on en fera peut-être un ou deux, quoi. Je suis pas sûr qu'on aille très très loin. Ah, un chat, un chat, un chat, un chat. Yeah! Trop bien. Oh, what? Ça va, le mec, il s'est amusé? Ben, on dirait. Ouais. Non, mais attendez, mais c'est quoi ces niveaux? Ah, 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 ah. Oh, j'avais peur. J'avais peur que ce soit vraiment genre la. Ok, que la fin soit directement là. Ça me paraissait un petit peu chelou. Allez, vas-y, on peut pas aller plus vite de toute façon. Aïe, mais what, je le fais exprès ou quoi? C'est pourtant pas difficile, très bien. Non, 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 descends, descends, descends. Et montez le mur, mais t'es débile. Et il m'intrigue le bloc en haut. Pourquoi il y avait un Mario? Parce que j'ai gagné une vie, c'est ça? Je sais pas, mais ouais, si, j'ai gagné une vie, d'accord. Record battu, bah je sais que j'ai battu le record. Enfin, mon record, c'est la première fois que je joue dedans, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas lire le japonais, enfin en tout cas pas ça. Ce sont des kanji, je ne comprends pas. Alors, il n'y a pas un champi? Oui. Je m'attendais plus à ce qu'il soit en bas, mais alors par contre, ça c'est perturbant. Les blocs, ça se met à 3 blocs de hauteur, pas 2. Bon, c'est pas si grave, hein, c'est pas un si gros défaut, mais c'est très bizarre, je trouve. Quoi, en plus un checkpoint? Genre au cas où ce serait trop difficile. Ok. Par contre, elles sont réinitialisées les pièces entre les niveaux ou pas? Aïe. Ok, je faisais le malin et j'ai quand même réussi à mourir. Enfin, pas à mourir, mais à perdre. Ok. Enfin, à perdre mon power-up. Bref, donc là j'ai 17 pièces. Voyons voir si elles sont conservées. Mais attendez, mais j'en gagne trop des vies aussi. Continuez. Je vais pas prendre du temps à les noter, en fait. Les niveaux en mode facile, je sais pas, ils sont... je sais pas, il y a vraiment pas de challenge, mais c'est normal, ils sont faciles, donc je vais pas me plaindre. En fait, c'est pas un défaut qu'il y ait pas de challenge, parce qu'au contraire, s'il y en avait, ils passeraient en normal, quoi. Donc j'ai toujours 17 pièces, très bien, parfait. Ok, alors, what? Ça m'étonne que ce niveau se soit retrouvé dans les faciles. Alors, je l'appellerai absolument pas difficile, mais ce genre de truc, il y a plus de 50% de taux de réussite sur un niveau pareil. Pourquoi pas? Ça doit être surtout qu'il n'y a pas grand monde qui l'a fait encore, le niveau. Ou alors, j'ai l'impression que les gens, entre Super Mario Maker 1 et Super Mario Maker 2, ils sont devenus vraiment meilleurs. Hein, parce que sur Super Mario Maker 1, ce genre de niveau, tu pouvais être sûr qu'il y avait quoi? 30, 40% de réussite? Là, what? 91 000 de ROM? Ah non, 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 je croyais que le record mondial c'est 91 000. Ok, non, je suis 91 millième, d'accord. Alors ça c'est automatique, donc je ne fais rien. Par contre, c'est bien la peine de mettre un niveau automatique. Bon, le problème dans... Ah mince, j'aurais pas dû... Aïe, 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 j'ai tout cassé. Et mince, ah bah je suis obligé de recommencer. Ah bah oui, j'ai tout cassé. J'ai perdu une vie en plus. J'ai tout cassé parce que j'ai appuyé sur le bouton Y. Ah bah ouais, le problème aussi c'est que les niveaux automatiques vont se retrouver en mode facile. C'est dommage parce qu'en plus le mec il lui a mis le tag auto. Et donc ce genre de niveau ne devrait pas selon moi se retrouver en mode facile. Parce que techniquement oui ils sont faciles mais bah ils sont surtout sans intérêt quoi. Donc bref, bon allez. Et bah voilà. J'ai un peu gâché une vie quand même. On est d'accord? J'ai quand même un petit peu gâché une vie. Quoi? Je viens de regagner 3 vies à la fin? Bah écoutez, très bien, très bien. Merci pour toutes ces vies. Ok, on continue. Mais comment ça, en 14 secondes, le mec, il a dû rush à la fin, je pense. Il devait connaître le niveau, je pense. 85 millième! Est-ce que je suis fier de moi? J'essaierai de le battre ce record, mais c'est pas en 30 minutes que je monterai très haut. Mais j'aimerais bien être vraiment beaucoup plus haut que ça. Hein. Et... Merci. Alors... Ah!
Oula, oula. C'est un niveau de kiki, mais en mode facile, c'est ça? Quoi? Bah... non... Bah... Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh, ah, d'accord, ok. Les blocs invisibles, c'était juste ça. Bon, il y avait une pièce qui nous affichait qu'il y avait un bloc, justement. Hein. Oh, bah merci. Maintenant, j'ai le max de vie. Donc, parce qu'on peut pas avoir plus de 3 vies par niveau, hein, ça évite justement... C'était le cas, c'était comme ça sur 3DS, je crois. Il y avait ce mode de jeu sur... Ok, je sais pas s'il y avait ce mode de jeu sur Super Mario Maker, sur Wii U. Je crois qu'il y avait pas vraiment, en fait. Il y avait un truc similaire, mais c'était les 10 Mario et les 100 Mario, c'était pas infini. Ouais, mais si, mais on gagnait quand même des vies. Si, 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 si. Bon, bah très bien, voilà. Sinon, j'aurais pu faire un saut mural, hein. Tout bêtement, j'avais pas besoin d'avoir le bumper. Mais bon, c'est pas grave. Et... parfait! Y a vraiment, vraiment aucun challenge pour l'instant. À combien de vies vous pensez que je vais terminer l'épisode? Je sais pas, une vingtaine? Trentaine? Trentaine, ça fait beaucoup, je pense. Et surtout que ça dépend bah, des niveaux sur lesquels tu tombes. Parce que tu peux tomber sur des niveaux très faciles, mais qui ne te donnent juste pas de vie. Et donc là, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. Easy EZ. Alors, voyons voir... What? Non, c'est une blague, ça va pas être ça sur toute la ligne et genre avec rien de plus. Non, pour de vrai? Ah 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 ah. Ah, merci pour toutes les pièces. Le problème, c'est que j'espère juste que je devrais pas faire demi-tour pour remonter. Oh, il a osé. Il a osé. Bon, alors, c'est ce qu'il faut, c'est quand même que... J'essaye de faire en sorte qu'il y ait toujours au moins un bloc. Enfin, un bloc de vide, comme ça au moins je pourrais courir. Non mais attendez, mais ouais, c'est facile, mais par contre c'est un peu nul, hein. C'est bon. Faudra que je fasse attention de pas me faire avoir par le feu à la fin. Ok, très bien, je suis en train de me faire extrêmement mal aux doigts. Et il a fait le max en fait. Oui, je crois que son niveau, il fait la taille max. Bon alors faut pas s'arrêter. Et je veux pas me faire avoir par les boules de feu à la fin. C'est surtout ça qui me fait peur aussi. Parce que... Surtout que je peux pas vraiment m'arrêter. Vu que j'ai laissé des trous. Ah ouais. Aïe 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 aïe. J'aurais pas dû. Non c'est bon parfait. Ouf. Bon bah voilà encore un niveau pas très très intéressant hein. Et j'ai 14 vies. Bon. C'est le genre de niveau quand même, tu te demandes un peu comment on fait pour perdre. Mais bah si, tu peux perdre par le temps, mais bon, c'est pas non plus... Bref, alors, 75 millièmes, record battu. À chaque fois, il va me le dire, hein. Record battu. Oui, félicitations, Carmendo. Rowan 1-1. Rowan, ça veut dire quoi, Rowan? What? Rowan, bah il a marqué ça en haut. C'est son nom, peut-être. C'est bizarre comme prénom, Rowan. Mais c'est peut-être ça. Oh! Merci pour toutes les vies. Bah voilà, j'ai déjà le max de vie sur le niveau. Merci. Ah. D'accord. Ok, parfait. C'est vraiment... Enfin, j'ai vraiment fait cette vidéo parce que je voulais vous montrer un peu tous les aspects du jeu. Mais on n'y retournera plus jamais sur le mode facile, hein, parce que... je pense que vous comprenez pourquoi, hein. C'est... J'ai réussi à mourir quand même, hein, mais... En vrai, le jeu, enfin, vu la facilité des niveaux, c'est... Enfin, je... quoi? Comme ça? Ah, d'accord, ok. Enfin, je comprends pas vraiment comment tu peux perdre, en fait, ce genre de truc. C'est plutôt genre, à un moment, t'en as marre, quoi. À un moment, t'en as marre et tu quittes. Y a rien en haut. Ok. Mm-hmm. Merci. Fallait pas attendre qu'il avance trop, hein, sinon ça aurait été relou d'attendre qu'il fasse demi-tour. J'ai failli mourir. Quoi? Hein? Y'a pas de bloc caché là? Mais... Quoi? Je m'attendais pas à ce que ce soit ça, je croyais que... Ah! Ok, d'accord. Je croyais que ça allait faire demi-tour, mais... Enfin, je savais pas que ça allait faire demi-tour. Bon, très bien pour la clé. C'était un petit peu random, mais pourquoi pas. Pareil, hein, un niveau
absolument pas difficile, mais peut-être un petit peu relou. Je ne vais pas aller chercher le champi. Ah. Non, j'en aurais pas besoin, je pense. Ah, c'était pour revenir là où on était. Ouf. Oula! Aller chercher le champi aurait été peut-être pas si mal que ça, finalement. Je regrette un peu. Non, mais ça va aller, ça va aller. Très bien. Il y a un truc là-bas, je pense, mais comment on y va? Là-haut, il y a un truc. Faut prendre le bumper, mais je peux pas le prendre, là, comme ça. Ouf! C'est vrai qu'il allait dans notre sens. Ah, la fin du niveau est juste là. Je pourrais peut-être essayer de sauter, mais ça me paraît assez risqué quand même, donc on va plutôt éviter. Je le mets sur ma tête, ça, ou pas? Pour l'instant, je vais le garder. Je le mets sur ma tête, hein, ouais. Je sais pas si c'était une très bonne idée, mais au moins, ça me fait un hit de plus. Bon, ça avait pas l'air de servir à grand-chose jusqu'à maintenant. Ah! C'est la fin? D'accord, mais je m'attendais plus à ce qu'il y ait d'autres trucs. Bon, d'accord, pourquoi pas. Ne nous plaignons pas qu'un niveau soit trop facile, et j'ai failli d'ailleurs me faire tuer par le flexible. Genre, j'ai sauté au moment où il arrivait. Heureusement que j'ai pas sauté très haut. Parfait, parfait. Record du monde! Très bien, c'était quoi? Ah! Ah, ça nous indique justement le thème du niveau dans lequel on était. Très bien. Ah, c'est stylé. C'est marrant, ça. Super Mario Bros 1-1 Reversed. Ok, donc le premier niveau de Super Mario Bros à l'envers. Eh bien, exactement, d'ailleurs. Ok, quoi? Il y avait deux blocs comme ça dans Super Mario Bros 1? Je ne suis pas sûr. Il y a un truc dans lequel on peut rentrer, je sais pas lequel c'est. Ah, peut-être celui-ci, tout simplement. Quoi, mais il a amené... aussi tard dans le niveau? Ah ouais, mais je peux pas remonter, moi. Parce que la sortie, elle est en haut, donc je peux pas y aller. Bien vu, bien vu, bien vu. Bon, par contre, c'est vraiment un niveau qu'on connaît très bien, celui-là. Normalement, il y a des power-ups de cachet, non? Non? Peut-être dans l'autre, là? Ah, ouais, mais... Non, 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 on va avancer, plutôt. De toute façon, j'ai pas besoin d'un power-up, si. Ça va faire demi-tour, ça. Ah! Ok, très bien. Ah, ça, je m'en souviens. Bah, ok, il a mis un checkpoint, on sait jamais. ça me rappelle Mario Royale. Ouh! C'était pas sympa. Mais ouais, ça me rappelle Mario Royale. Ah! RIP Mario Royale, le jeu qui est parti trop tôt. 2019-2019. Bon, continuons. Il a fait en 20 secondes. Il a juste rush, quoi. Par contre, il n'y a vraiment que des niveaux de plaine, en fait. Genre, on dirait qu'il n'y a que ça dans ce mode, c'est ouf. World 1-1, Mushroom Plain, ok. Je crois d'ailleurs que c'était marqué Mushroom Plain en japonais. Enfin, en tout cas, il y avait marqué champignon. Ça j'ai vu. Le reste, j'ai pas bien vu, je ne comprends pas. Ah, merci. Il y a un truc là, non? Non, c'est pour décorer, très bien. Mais encore un niveau de plaine, oui. Qu'est-ce que je disais? Il n'y a que des niveaux de plaine. Les niveaux faciles, c'est forcément des niveaux de plaine, c'est ça? À partir du moment où tu vas dans le désert ou dans la neige, ça devient trop dur pour les gens, c'est ça? Ouh, merci. Il y a un truc là-haut, non? Ça doit être juste pour rusher le niveau, peut-être. On dirait, je ne sais pas. Ah! Ah mince, non. Je crois que j'ai eu le max quand même. Très bien. Tout le niveau, on peut le skip. Suffit de rester en hauteur et c'est bon. Il n'y a plus aucun challenge. Mais il l'a fait exprès, hein. Ça se voit, hein. Il l'a fait complètement exprès parce que... enfin, sinon, il les aurait pas mis... Il les aurait pas agencés de cette façon. Ouh. Ok. Ça va être la fin, là, non? Ah, pas tout de suite. D'ailleurs, comment ils font? J'ai l'impression qu'il y en a, ils mettent le drapeau de fin... dans la zone secondaire. On peut faire ça? Ah non, lui, il a pas fait ça. Mais je crois qu'il y a des gens qui le font. Je sais pas comment ils font. D'ailleurs, il y a un autre truc que j'arrive pas à faire, c'est mettre le champi poison. J'ai essayé et j'y arrive pas du tout. Je sais pas comment les gens font. Je sais que normalement, le champi poison, c'est que dans la nuit. Mais je suis allé dans la nuit.
J'ai mis un champi, j'ai mis un champi vie, j'ai essayé de cliquer dessus pour voir les trucs alternatifs et j'ai pas trouvé. Pourtant, je voulais faire un niveau avec les champis poison et j'ai pas compris comment on faisait. 59 millième! Et vous? Combien êtes-vous? Ipai, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, c'était pas... Non. C'est le verbe aller, je crois. Ok. Oui, bah on va aller là-dedans. On va suivre ce qu'il nous dit. C'est probablement pas une très mauvaise idée. Salut! Ah, il lâche pas le truc si on passe en deux... Enfin, au-dessus. Oui, par contre, il va lâcher, sauf que... Salut. Bon, par contre, ne mettez pas de tuyau dans le vide, c'est ultra perturbant. Là, ça, c'est un petit peu plus... C'est un petit peu mieux. Oh. D'accord, et maintenant, genre, juste tu survoles tout ce qui reste. On dirait bien... Ouh. Oh, bah, j'ai pas fait exprès. Désolé. Ah. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur de tomber juste un petit peu plus à droite. Bref, bon, ben 20 vies. Les 30 vies, je sais pas. 30 vies, je sais pas, comme j'ai dit, ça dépend vraiment des niveaux sur lesquels on va tomber. Mais au moins, on aura terminé ce premier monde, entre guillemets. Donc normalement, on va avoir un monde de château tout pour finir. Je crois qu'en fait, t'es obligé d'avoir un monde de château pour terminer. Qui est pas forcément dur, hein. Ça peut être genre juste... Le gars, il a mis un thème de château, mais son niveau, c'est le niveau 1-1, quoi. C'est pas la nuit, non? Non, c'est pas la nuit. C'est juste la forêt en mode Super Mario Bros. Réussi à tomber bêtement. Quoi? Mais non! Ah, les styles de la musique, je l'avais jamais entendu. J'ai jamais essayé ce thème en mode Super Mario Bros. Mais... Ok. Très bien. Bon. On est à l'avant-dernier niveau, là. Enfin, là, on va arriver dans l'avant-dernier niveau, je crois. Il me semble que c'est ça. En 6 secondes, ça m'étonne pas. En rechance, le petit... Ouais. On arrive dans l'avant-dernier... 55 000. Je pense qu'on dépassera pas la barre des 50 000 dans cette vidéo. Tsuini... je ne sais pas quoi. Ok, classique, court, mais bon. Mais attendez, mais ça c'était... Mais attendez, mais... C'est l'un des trucs de base qu'il y a dans le jeu. Mais attendez, mais ce style, il existe, c'est un style par défaut. D'accord, le mec, il a pris un style par défaut, il l'a uploadé. D'accord, bon, pourquoi pas. On peut rentrer là-dedans? On ne peut pas. Y a pas de plante là, non. Il a peut-être rajouté quelques trucs quand même, mais bon, c'est juste un style de base, quoi. Vous voulez pas tomber, vous? Ok, ça me va, ça. Non. Ah bah, c'est la fin. Et bah, je ne suis pas au sommet. Tant pis. Allez, ça va être parti pour, je ne sais pas, vaincre Bowser ou pas, parce que le fait qu'on soit dans un château, pareil, hein, c'est pas forcé qu'il y ait Bowser dans le niveau. D'ailleurs, Bowser peut être dans un autre niveau qu'un château, hein, ça vous le savez. Bon, par contre, elle manque un peu de variété, cette zone, quand même, regardez. Genre, il n'y a que des niveaux de plaine, il y a un truc debout, une forêt, un athlétique, et pff, de la plaine. Mystery of the Rat King. D'accord, les mystères du roi rat. Le roi rat, comment ça... Ah, quoi? Ah, mais c'est plus comme avant. Avant, on était obligé, bah, il me semble que dans Super Mario 3, enfin dans Super Mario Maker, on était obligé d'avoir un niveau de château pour finir. Il va pas là. Eh, mais c'est parce que c'est pas vraiment la fin vu que c'est un mode infini. Ça doit être pour ça alors. Je sais, c'est pas grave. Ok, très bien. Oui, bon. Laisse tomber, c'est rien. Par contre, c'est trop beau. Le style, il est vraiment trop beau, c'est juste que je le trouve vraiment vide en fait. Vas-y. Oh, il essaie d'avancer vers nous, lui. Quoi? Pourquoi? D'accord, je sais pas ce qu'il faisait, mais pourquoi pas. Ok. C'est quand même très beau, les musiques sont belles, le style est vraiment beau, mais... je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose dans ces niveaux, en fait. Genre... il y a beaucoup moins d'éléments que dans les autres styles, donc j'ai l'impression que tu tombes très vite en rond. Ah bah voilà. Ok. Avec énormément de vie. Malheureusement, on est capé à 3 vies, mais 25 vies, c'est cool quand même. Elle est trop mimi, Toadetcha. C'est dommage que Peach soit pas jouable, d'ailleurs. Bien, voyons voir. Donc là, on va aller à la scène suivante, au monde suivant. 43 000, si. Parce que les gens, genre, ils sont tous morts sur ce niveau, c'est ça? C'est possible. Super Mario pour la... pour la Zetsu, tout. Donc c'est Super Mario Bros 2, pourquoi 9-1? Oh non, c'est du Lost Level. Mais attendez, mais le Lost Level est censé être dur, ça c'est pas dur. Y'a rien de dur là-dedans. Bah merci. Ah! Ah!
Bah très bien, d'accord. Attends, il y en a peut-être aussi un autre là, non? Bah oui. Ok. Ça paraissait assez évident, il les a cachés derrière toutes les statues. Mais il est sûr que c'est du Super Mario Bros. Lost Level? Parce que Super Mario Bros. Lost Level, c'est censé être difficile, hein. J'en ai pas tout à fait l'impression. Ah, c'est pas du Lost Level. Dans Lost Level, il n'y avait pas ces trucs-là, hein. Je crois, hein. Il n'y avait pas de canon qui tirait des bumpers. Ok. Et il y avait un monde neuf, hein. Il y avait un monde spécial et tout. Je crois d'ailleurs qu'il y a un monde A, un monde B, je sais plus. De toute façon, je suis jamais allé jusque-là, hein. Lost Level, c'est beaucoup trop dur. Moi, je suis allé jusqu'au monde 5 ou 6. Ça doit être mon max. Non, on va plus vite en nageant. Salut. Lui, il va nous jeter quoi? Rien. Pour l'instant, il nous jette rien. Ah, classique. Et bah, vous... Ah non, c'est pas la fin? Quoi? Merci, mais j'ai déjà le max de vie, donc j'en ai pas besoin. 9, 2... Quoi, il a compilé tous les niveaux de Lost Level, c'est ça? Mais non, mais c'est pas du Lost Level. Enfin, je crois pas. En même temps, je dis ça, je suis jamais allé, comme je vous ai dit, dans le monde neuf de Lost Level, donc je peux pas dire avec certitude que ça ne l'est pas. Mais ça me paraît vraiment facile pour du Lost Level. Lost Level est censé être le Mario le plus dur qui existe. Vraiment, hein. C'est le jeu Mario le plus dur qui existe. Vous pouvez dire, non, Mario World c'est dur, Mario Bros 3 c'est dur. Oui, un peu, mais pas autant que Lost Level, absolument pas. Ah, 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 ok. Ah, il nous fait une revisite des niveaux, sauf que... Je sais pas, c'est peut-être ça. Peut-être que justement, le monde neuf de Lost Level, il est facile. Peut-être qu'il est facile justement parce que c'est une récompense pour être arrivé jusque là. J'en ai absolument aucune idée. J'ai failli mourir. Pourquoi j'ai ralenti? C'était complètement débile. C'était complètement stupide ce que j'ai fait. Ah! Bah non, je pouvais pas aller en bas. Très bien. 9-4. Puis les Goombas aussi, ils se comportaient pas comme ça. Il y avait des bruits insectes et tout, ça me paraît vide aussi pour du Lost Level, je sais pas. Bah, si des gens sont arrivés jusqu'au 9ème monde de Lost Level, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça y ressemble, mais je crois pas. Surtout qu'il n'y avait pas de porte non plus dans le jeu, donc voilà, déjà. Ali... Ah, il va marquer Aligato. Aligato, ça veut dire merci. Ok, merci à toi plutôt. Pour ton niveau, genre, moyen, pas dur. Très bien. Très bien. Terminé. Bon, bah, les amis, je pense qu'on va en faire un dernier niveau. Genre, juste parce que j'ai envie d'arriver aux 30 vies. Donc, on va en faire un dernier. Mais, je sais pas, ça se trouve, il y aura pas assez de vie dedans, mais on va essayer quand même. Et je suis sûr que les 39 600 personnes qui sont devant moi, genre, c'est pas qu'ils sont probablement très forts, c'est juste qu'ils ont eu la patience de continuer, hein, parce que tous les gens, par contre, que je viens de dépasser, je pense pas qu'ils soient morts, hein, je pense qu'ils l'aient fait exprès. Parce que j'avoue que, comme il n'y a pas beaucoup de challenge, ça te donne pas très envie d'aller très très loin, en fait, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ah, d'accord. Et le niveau s'appelait Death Knight. Je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, Death Knight, mais Death, c'est genre rendez-vous amoureux. Donc, je vois pas trop le rapport, mais bon, pourquoi pas. Ok. Pourquoi tu peux me donner des Goombas? C'est pas sympa, ça. Et salut. Faut se débarrasser des Goombas parce que... Ah bah voilà, ok, parce qu'il pouvait être bien relou, mais... Ah non, je dois revenir dans le tuyau. Parfait. Et là, maintenant, je vais pouvoir rentrer dans la porte. Je n'aurai pas le nombre de vies qu'il me faut. C'est certain, parce que... J'en gagnerai peut-être même pas une sur ce niveau. Hein. Enfin, il n'est pas totalement fini, mais il y avait zéro pièce, quoi. Ouais, il y avait zéro pièce. Et en plus, j'ai même pas eu la vie de fin. Bon, allez, on va en refaire un dernier. Mais là, un vrai, vrai dernier, si j'arrive pas aux 30 vies. Bon, bah, tant pis, hein, c'est pas grave. Et dans la prochaine vidéo, comme je vous dis, on fera le mode normal, qui risque de poser un petit peu plus de challenge. Ce sera peut-être pas impossible, mais ce sera... un petit peu plus difficile, je pense. Bref, allez, bon courage Mario. Je suis mort combien de fois? En plus, je suis mort que deux fois, non? Un truc du genre. Random level. Ah! Ah! Ça fait peur, ça. Quoi? Ok. What? Ok, c'est bon, je crois que je commence à en avoir assez des niveaux faciles, parce que ça n'a absolument aucun intérêt, voyons. J'espère que quand vous m'enverrez vos niveaux, vous m'enverrez pas des niveaux comme ça, hein, parce que bon, je veux dire...
Ils sont pas nuls, hein, mais bon, ils sont un peu nuls quand même. Bref, les amis, dans tous les cas, eh bien, nous, on va en rester là pour cette vidéo de Super Mario Maker 2 sur Nintendo Switch. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!